Philadelphie, au bord du fleuve Delaware. Ses ouvrages d'art et ses monuments historiques comme Liberty Bell, érigés sur le bâtiment où a été signée la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Philadelphie a été la première capitale fédérale du jeune État américain avant d'être supplantée par Washington. C'est dans les environs de cette cité chargée d'histoire, métropole de l'État de Pennsylvanie, que Moncef Slaoui a décidé de s'établir. Sa résidence aux allures de manoir est nichée dans une forêt luxuriante, un espace dont il profite chaque jour. Levé aux aurores, il commence systématiquement sa journée par une séance de course à pied en plein air pour nettoyer son corps et activer ses neurones. Au début, souvent je commence en pensant à des problèmes. Et puis, parfois au milieu, pas toujours, j'ai une idée et je sais qu'à la fin de ma course, je ne vais pas m'en rappeler. Parce que c'est extraordinaire. Après 10-15 minutes, la tête se vide, on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'énergie mentale. Et alors j'ai des approches mémotechniques, c'est une des raisons pour lesquelles je connecte mon téléphone. Vous le prenez même en course avec vous? Oui, deux raisons. Parfois je dis quelque chose dedans pour me rappeler, mais aussi parce que j'ai une app qui mesure mes courses, combien d'énergie, tout ça. C'est ce qu'il appelle joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, l'éminent scientifique peut se permettre de travailler à partir de chez lui. Après des années passées dans les plus grands laboratoires de recherche européens et américains, et après avoir été aux commandes des secteurs de la recherche et du développement au sein d'un des plus grands opérateurs pharmaceutiques mondiaux, le docteur Slaoui réfléchit aujourd'hui à de nouveaux remèdes. Le traitement par impulsion électrique pour guérir l'asthme et le diabète notamment. Président de Galvani Bioelectronics, structure en charge des traitements du futur, le spécialiste en biologie moléculaire se veut confiant. Il essaie d'expliquer comment tout a commencé. Je me rends compte que plusieurs événements absolument en dehors de mon vouloir ont fait que ma trajectoire m'a amené à d'abord faire de la recherche biologique plutôt que de la médecine, puis faire de l'immunologie plutôt qu'autre chose, et puis aller aux États-Unis parce que ma copine allait aux États-Unis aussi. Une fois qu'on est en face d'une opportunité, certaines personnes le saisissent et d'autres ne le saisissent pas. Ça, c'est absolument clair. Et en fait, en fonction de cela, j'ai énormément dans ma vie, dans l'entreprise et en dehors. Un de mes objectifs toujours a été d'identifier les talents et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose, de les mettre en situation. Et puis c'est à eux de faire. Parce que je sais très bien que le hasard et puis parfois certaines personnes m'ont mis en situation. Et puis j'ai délivré là-dessus. Et donc ça, par définition, ça te rend beaucoup plus humble parce qu'en fait, il est très possible que je sois un vendeur de voitures parce que un certain virage que j'ai pris à droite, si j'avais pris à gauche. Mais les bienfaits de la providence et la politique des bons choix ne fonctionnent qu'avec une tête bien faite et une grande capacité de travail, ce dont ne manque pas le scientifique qui s'est épanoui dans la recherche médicale. Au point d'être honoré par un centre à son nom, le Centre Slaoui de recherche de vaccins. Basé à Rockville, dans le Maryland, c'est le 6e centre mondial de recherche et de développement d'un important groupe pharmaceutique mondial. D'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares, le centre de recherche est hyper moderne. Hall spacieux, touches de verdure et sol en marbre fossile de la région d'Erfoud au Maroc. Nous y retrouvons le docteur Slaoui avec Chris Cox, l'un des cadres de l'entreprise, pour une visite guidée. Un centre de recherche à votre nom, docteur, ça vous fait quoi exactement? C'est émouvant. Mais bon, bien sûr, c'est le travail de plein de gens. Qui est représenté par ce centre de recherche. Mais bon, bien sûr, il y a une fierté associée et une émotion, une belle reconnaissance. On arrive à garder les pieds sur terre quand même ? Totalement. I see a cab outside, so maybe it would be good.
On va aller à l'étage, au troisième étage, où se trouvent des bureaux ouverts. En fait, j'ai instauré depuis 2007, je pense, une politique de bureaux ouverts pour tout le monde, depuis la plus grande direction jusqu'au dernier employé, de manière à créer plus d'ambiance de transparence, de convivialité, mais aussi de travail d'équipe. Right. Yeah. Officiellement inauguré en décembre 2016, le centre accueille jusqu'à 450 chercheurs de différentes spécialités ayant pour objectif commun la découverte de nouveaux vaccins. Ici, donc, on voit l'organisation de toutes les équipes qui sont ici, à peu près 450 personnes en tout. C'est encore en train de se construire. En fait, on a ouvert ce centre. When did we open the center? Was it We August? Had our first occupants in August of 2015. So almost a year. Mais donc il y a une accélération très rapide des recrutements. Il y a une personne qui est marocaine ici. On peut voir des chercheurs de partout. Et voilà. Et en fait, ici ce sont donc les bureaux, pas les laboratoires, bien sûr. Les laboratoires sont toujours situé totalement indépendamment des bureaux pour des raisons de sécurité, donc à d'autres étages, une autre partie du bâtiment. Le spécialiste en immunologie nous invite à le suivre au sein des seins, au centre du réacteur, là où s'élaborent les expériences prometteuses. Hello. Hello. Do you know Dr. Slavin? Yes. Have you good memories from him? Sure. Yes. What kind of? I think he's very visionary and bring our research and deliver the benefit to the patients. I think it's very good. I read some the blog and some news about him. It's really impressive. Derrière la baie vitrée, l'univers de la recherche expérimentale se dévoile, animé par de jeunes post-doctorants indiens, chinois ou américains. Vous pouvez remarquer en fait en marchant ici dans les laboratoires que la diversité du talent est énorme. C'est vraiment les capacités individuelles et il n'y a aucune raison de penser que les chercheurs marocains soient moins bons ou meilleurs que les autres. Ils vont être aussi bons que les autres. En fait, c'est important de saisir l'opportunité quand elle est là. 99% des idées qu'on commence échouent. En moyenne, 1% des idées réussissent. Parfois, elles échouent très vite, au bout d'un an, 6 mois, 3 ans. Parfois, elles n'échouent que vraiment en fin de parcours, quand on fait ce qu'on appelle les études de phase 3, peut-être après 10 ou 15 ans de travail et 1 ou 2 milliards de dollars investis et des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Il y a toujours de l'espoir. En fait, le point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question. Ou qu'on va faire une expérience qui va donner une réponse définitive à la question. Il n'y a, jusqu'à aujourd'hui, aucune expérience qui démontre qu'il est impossible de faire un vaccin contre le sida. Par conséquent, c'est encore possible. Et donc, il y a de l'espoir. Et donc, on essaye. Et à force d'essayer, on finit parfois par trouver des formules innovantes de vaccins nécessaires aux besoins de la santé publique. Sous la direction de Monsef Slaoui, plusieurs vaccins ont été élaborés contre le paludisme, le cancer cervical, les infections à pneumocoque et contre le rotavirus pour la prévention des gastro-entérites infantiles. Pour les jeunes chercheurs du centre de Rockville, le scientifique est une véritable légende vivante. I think he's a great scientist. I read a lot of his papers before I joined this vaccine center, and I'm looking forward to learn more from him and everybody here. Dr. Slavi is his vision is what guides us make new vaccines and help develop new vaccines, get them onto the market faster. We're proud that he's guiding us. We're proud that he's our we have him to follow and to lead the path, and we're happy that he's guiding us. I love about what's happening. Hey, Sally. Hey. Good to see you. How are you? Very good. Great. How are you? Great. So how are things?
Great. It's wonderful here. The center is just incredible. It's been changing on a daily basis. Very exciting. How many scientists do we have now here? We have about 300 scientists. Wow. And we're aiming for 450 at some point. Yeah. In an incredibly dynamic environment. How many are? Monsef's leadership skills, I think, are rather unique. He has such a well-rounded capability, and I would describe it in a few points. So decisive, he's ready to take incomplete information but make the best decision with it. He's extremely intelligent. I've never met anyone as sharp as Monsef, both from a scientific perspective but also from the business side of things. But on top of that, he does it with heart. So he's somebody who cares about people. He cares about the talent in his organization, and he really wants to develop the talent. Convivial et professionnel, la discussion se poursuit un peu dans l'un des salons du centre, un espace ouvert à l'image de la recherche scientifique développée au sein de cette institution. Chez Mignon, la vitesse, docteur? Oui, mais vitesse contrôlée, donc, sur circuit. Bon, voilà. Bon voyage. Merci. Au revoir. Mon père était très occupé quand j'étais jeune et il travaillait beaucoup, bien sûr, pour avoir beaucoup de succès. Mais pendant les vacances, il était toujours là et on va dire qu'il venait tout le temps. On allait tout le temps en vacances aux États-Unis ou en Italie ou dans plein de beaux endroits et au Maroc, bien sûr. Et pendant ces vacances, on avait toujours des très très bons moments. C'est toujours très chouette. Et bon, il est vrai qu'il était toujours très occupé pendant le travail. On avait toujours l'occasion d'avoir des très bons moments et d'apprendre, de réapprendre à se connaître à chaque fois. Hey Ryan, see if you were speaking French, you could speak to Youssef. Yeah. Ça va? Yeah. What about after that? First of all, you know, he's one of the most thoughtful people I've ever met, and he really lives his life that way, thinking about the others around him and how he can make them happy. And with that in mind, when he comes home from work, you know, or when he's taking a break, he's really taking a break, and he's more focused on you, and you know, or focused on Ryan, or focused on our family, or Mehdi. You know, he's really 100% present, I think, all the time. Je suis capable de multitask, mais en même tout en étant hyper focalisé. Et une des choses qui m'a servi énormément, c'est que je dors très peu. Je me rappelle que ma mère n'était pas super contente de ça, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, ce qui fait que mes journées, 4 heures, ce qui fait que mes journées en fait sont un peu plus longues et j'ai un peu plus de temps. Donc, en fin de parcours, je suis. Ça ne me demande pas un effort particulier de passer du temps avec ma famille, de bien rigoler, d'avoir du bon temps avec mes amis, d'avoir plein de copains et d'avoir plein de boulot. Come here with your big blue chair. How do you know? You're so smart. Yeah. Janet or Nima. Nima. Oh, I'm here too. I have the music outside. Yes. I'm struggling to. Shut the door.
Thank you. Lonsef is a great man. I love him. Oh, it doesn't work. Who turned this off? He treats my daughter well. He treats the whole family well. Yes, he does. He treats all of us so well. Turn this off. Yes, so then what did he ask? Like, what does Moroccan TV want to hear some American thing? No. Yeah, but she went in late. Nous quittons la banlieue chic de Philadelphie pour le Maroc. Direction Ben Gurion, à l'université Mohamed VI Polytechnique, où le docteur